chart. Yop, le Master et Masterot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WWE 2K19, la saga Quel Personnage. Donc ça consiste à quoi? Tout simplement, vous avez choisi des thèmes, le manga, vous savez, je vous ai demandé de choisir des personnages, un, voire plusieurs personnages, fictifs, réels, personnalités, célébrités, tout ce que vous voulez, mais c'était du manga. Là, vous avez choisi un thème, je vous ai demandé ce que vous voulez, vous m'avez dit shonen, manga, animé. Donc, en gros, je tiens d'abord à remercier Pikachunet, Adjila et Barbie Kurin qui ont participé et qui m'ont mis ça dans les commentaires. Et donc en gros, j'ai piqué un petit peu de toutes les idées, un peu de tout le monde pour faire plaisir aussi un peu à tout le monde et à ma communauté, à mes abonnés. Je ne pourrais pas évidemment mettre les vraies musiques des animés, ça c'est censuré par YouTube, donc je ne pourrais pas, hein, je suis désolé. Donc on est parti pour un match 8 faux away Tornado Tag, ça veut dire donc ils seront par deux, ça sera deux équipes de chaque, donc en tout il y a 4 équipes, 2, 2, 2, 2, 2, ça fait 8, donc il y a 8 personnages, donc en fait il y a 8 équipes et ça sera par élimination. Donc s'il y en a un de l'équipe qui se fait éliminer, c'est pas grave, il en restera un jusqu'à temps que l'élimination d'une équipe complète. Donc 4 équipes, 8 personnes, il faut rester, faut qu'il reste évidemment plus qu'une équipe et c'est l'équipe qui reste qui gagnera. Donc je vous dis à tout de suite pour la découverte des personnages, on est chaud, c'est parti. Donc ça y est, on est à WrestleMania pour un grand événement et donc comme je vous l'ai dit, il y a 4 équipes de 2 personnages, donc 8 personnages de type manga. Et le premier personnage c'est Son Goku de Dragon Ball. Il avait gagné dans les anciennes vidéos. Si vous ne les avez pas vues, je vous conseille d'aller voir la vidéo 1 et quel personnage, vidéo 2. Donc il y a 8 participants, donc on va passer les entrées. Allez au suivant, next. Deuxième participant. Tiré toujours de type de manga, ça sera que des personnages tirés de manga, de shonen, d'anime. Et oui, vous l'avez reconnu pour ceux qui sont fans de Dragon Ball. Si à Son Goku, il y a Vegeta qui arrive derrière. Vegeta, son ennemi juré et son meilleur ami, on peut le dire. Donc la première équipe Dragon Ball, la voici. Deuxième équipe qui arrive, c'est donc Sasuke de Naruto. Sasuke qui arrive à WrestleMania. Il a vraiment assez bien fait, je trouve. Bravo à ceux qui travaillent, je rappelle que je n'ai aucun mérite, c'est vraiment la communauté. Moi j'ai fait juste que les télécharger gratuitement, vous pouvez le faire aussi via la communauté de WWE 2K19. Participant suivant, forcément, si à Sasuke c'est pareil, il y a Monsieur Naruto qui arrive derrière à WrestleMania, Naruto. Voici la deuxième équipe, Sasuke, Naruto. On va passer à la troisième équipe. Voilà, si déjà la deuxième équipe, on va passer à la troisième qui va arriver. Ouh, vous connaissez Fairy Tail? Est-ce que vous connaissez Fairy Tail? Si vous connaissez Fairy Tail, manga, shonen, vous connaissez Natsu Dragneer, Natsu avec son papa Ignir. Il va cracher du feu, ça va chier les boules de feu, je vous le dis. Qui sera son coéquipier? Voici son coéquipier. Oui, ça existe aussi en manga, très petit épisode, mais ça existe.
nous vient du Japon. Il est extrêmement mieux fait que les autres que j'avais téléchargés dans les versions, les premiers épisodes. Pour ceux qui connaissent Street Fighter, le personnage principal, Ryu, qui est extrêmement bien fait. Vraiment extrêmement bien fait, je suis fan. Et j'adore, là j'adore, ça envoie du pâté, c'est pour ça que je l'ai mis. Parce que je le trouve vraiment bien fait et bravo. Vraiment bravo à celui-là qui a fait ce personnage. Vraiment félicitations. Et voici la dernière équipe. Voici Monkey D. Luffy de One Piece. One Piece Monkey D. Luffy. Ah, il a pas de temps. Il court. Il veut voter du cul. Prochain participant. Oui, vous l'avez reconnu, le coéquipier de Monkey D. Luffy, ça sera la série Bleach, Ichigo Kurosaki. Assez bien fait, je trouve. Ichigo Kurosaki, ça va envoyer du lourd, ça va envoyer du lourd, vraiment. Allez, on est parti pour le match. Donc là, c'est le bordel, forcément. Alors là, ça va être le bordel. Donc je vous rappelle, 4 équipes par élimination, un seul se fait éliminer, ça ne suffit pas, il faut éliminer les deux participants. Donc moi je joue Ryu et je suis avec Natsu Dragneer contre Vegeta, Sangoku contre Sasuke contre Naruto contre encore Ichigo de Bleach et Monkey D. Luffy de One Piece. Donc ça va être le bordel. Donc je pareil que mes prochaines, mes dernières vidéos de vidéo niveau 1 et quel personnage niveau 2. Ça sera pour moi très difficile de tout vous commenter. Je peux pas tout commenter et jouer en même temps. Donc là j'essaye de regarder un petit peu partout, me concentrer sur mon combat et vous dire en même temps. Donc là, je ne connais pas du tout les personnages, hein. Forcément, ce n'est pas moi qui les ai créés. Oh, joli coup de pied. Donc autant vous dire que je vais essayer d'aider quand même mon pote Natsu. Ah bah, j'ai confondu. Allez, Vegeta, touche pas à Natsu. Vegeta, je touche pas à Natsu. Franchement, si j'avais dit que je dirais ça un jour. Ah, c'est n'importe quoi. C'est ça qui est bon dans le jeu. C'est qu'on peut faire vraiment du grand n'importe quoi. Et c'est ça qui est énorme. C'est la communauté fait partager des personnages gratuitement. Et c'est ça qui est vraiment cool. C'est le partage. Donc on va essayer de faire du lourd. On va essayer de faire un peu du sale, comme on dit. Oula, bah alors là je connais pas du tout les touches pour ce personnage. Je connais vraiment pas les. En tout cas, c'est vraiment le bordel. Ça va être très long, je pense. C'est très compliqué. Mais la fin mérite. Il va y avoir du suspense. Hein. Donc là, comme vous pouvez voir, juste au-dessus, en bas des personnages, vous avez des codes de couleurs. Au cas où vous savez plus qui est avec qui. Vous avez le jaune, le rouge, le bleu et le vert. Voilà. Donc l'équipe Ryu Natsu. Là, je suis perdu. Ryu Natsu est en jaune. L'équipe Vegeta Goku est en rouge. L'équipe Naruto Monkey. Sasuke Naruto est en bleu. Et Monkey 2 Ruffy et Ichigo sont en vert. Ah ouais, wow. Oh, je l'ai pas vu arriver celui-là. Ah, je suis paumé, je suis pas dans mon match. Parce que c'est très compliqué, c'est encore plus dur qu'un Musashi Chamber. Vraiment. Ah, je me fais tabasser par Vegeta. Allez Ryu, lève-toi. Ah, je me fais clairement tabasser là. Ah ouais. Je prends très cher. Ah là là, j'ai pris vraiment beaucoup de dégâts.
J'ai quasiment dans le rouge déjà. Pratiquement tout le monde déjà. Ah, ça tape. Hein. Ça tape dans tous les sens. C'est le grand bordel là. Beau kick. Ah là, c'est vraiment. Je pense que. Je sais pas si on peut faire les tomber à l'extérieur du ring. Ah, il y a Natsu qui va m'aider enfin. Parce que je prenais vraiment cher. J'arrive même plus à me relever. Un Natsu qui vient m'aider sur Vegeta, ça c'est bien. Continue mon Natsu. C'est ça qu'on veut voir. Sangoku qui est en train de martyriser Ichigo dans le coin là-bas. Natsu qui soulève Vegeta. Qu'est-ce qu'il va nous faire avec V? Un bon écrasement. Ah, il faut qu'on travaille en équipe, c'est ça qui est la clé. Oui, oh, joli enchaînement. C'était beau. Petit écrasement facial là. Allez, Natsu, faut qu'on reste ensemble. Si possible sur la même cible. Je parle à un ordinateur, je sais bien, mais bon. Alors, est-ce qu'on peut faire les tombées à l'extérieur? Je vais essayer de voir. Ouh, il y a quelqu'un qui a saigné, vous avez vu l'écran rouge. Non, je pense pas. On peut pas, je pense pas, non. Putain, va falloir. Ça va être long. Hein. Ça va être très long parce que si on peut pas faire les tomber à l'extérieur. Non, on peut pas. Je vais regarder, mais non. Non, on peut pas. Donc, ça sera les tomber à l'intérieur du ring. Donc, les éliminations se feront vraiment à l'intérieur. Allez, on est parti. On va commencer le match. Bon retournement. Natsuki tente de tomber deux. Natsuki a tombé. Qui a essayé d'éliminer Sasuke. Ah, c'est le bordel. Je sais même plus où tenir de la tête tellement qu'il y a de monde. Ah, c'est... c'est ça qui est bon. Allez, oh là là, je suis entre les deux DBZ là. Allez, je vais prendre Sangoku. Oh, Tornado DDT. Natsu, va falloir que... Oh, Natsu qui a éliminé quelqu'un. Natsu qui a éliminé Sasuke. J'ai pas vu. Vegeta qui enchaîne les coups. Ah, qui tente de tomber. Ah, il faut que je regarde. Ah, c'est très compliqué parce qu'il faut garder un œil sur tout ce qui peut vous arriver. Et un œil sur à commenter. Et un œil encore sur... comment dire, sur mon coéquipier. J'espère qu'il ne sera pas éliminé. Parce qu'après, si c'est du 2 contre 1, ça va être très compliqué. Oh, le coup de pied là. Magnifique. Allez, hop, c'est parti. Là, on est chaud. Là, je vais essayer de faire mon spécial. Oh, le petit coup de pied retourné de Ryu. 1, 2. Ah, dommage. Oh, Vegeta qui a failli s'en éliminer. Oh, Ichigo qui vient me taper dans le dos. Il va essayer de faire un port bon, mais il le fait. Oh là là. Ouf, heureusement que j'ai la révolte. Heureusement que j'ai la révolte. Oui, qu'est-ce qu'il me fait? Faut que tu m'aides. Bon, faut que tu m'aides. Ouh là 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 là. Oh, que c'était chaud. Oh, que c'était chaud. J'ai failli me faire éliminer. J'ai vraiment failli me faire éliminer là. Natsu, j'ai vraiment failli me faire éliminer. Mais oh là là. Pff. Oh là 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 là. Oh bah c'est pas ma vidéo. Oh là, je vous le dis, ça va sûrement pas être moi qui vais gagner. Parce que je prends tellement cher. Élimination, j'ai pas vu, je crois que c'est. Oui. Les deux DBZ, Vegeta Sangoku sont éliminés. Aïe 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 aïe. Ah là, faut pas rigoler là, faut pas rigoler. Je vais essayer de faire le finish sur Vegeta. Si on me touche pas, si on me touche pas. Et Hadouken, le Hadouken porté Vegeta. 1, 2, 3, élimination de Vegeta. Voilà, ça y c'est fait. Allez, on va essayer de se faire Ichigo, la petite vengeance. Ah non, on va essayer de même aider Natsu. On va essayer d'éliminer. Oh, il fait un port bombe tombé. C'est bon ça, c'est bien joué.
Allez, hop, on relève. Oh, le petit uppercut. Le Shoryuken. One. L'arbitre. Oh, m'a cassé mon tombé. Oh, le petit tombé que je lui ai fait. Le petit paquet. One. Two. Ah, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Ouais, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et rien que déjà là, les... oh, j'ai contré un finish. J'ai contré un finish. Ah non, j'allais placer le mien. J'allais placer mon finish. Aïe, 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 aïe. Ah bah là, là, vous voyez en bas à gauche de mon personnage, je peux pas me relever parce que mon personnage est sonné. Donc si Natsu se fait, là, je peux pas. Là, je peux, clairement, je peux pas venir l'aider. Faut que je revienne assez vite. Allez, lève-toi. Voilà. Voilà, j'ai aidé Natsu. Ce qui m'a aidé tout à l'heure. La planche japonaise. Et tu vas où toi? Allez hop. Allons, il m'a contré. Allons, c'est bon, je sais pas. Je croyais qu'il m'a contré. Allez. Manquer des refis. Ah, je suis essoufflé. Même moi, je suis essoufflé. C'est très dur à commenter. C'est. Ah, il essaye le petit tombé. En douce. Oh, bah, ça a marché. Oh, bah. Voilà. Manquer des refis. Manquer des refis qui. Ah, c'est très dur. Très, très dur. Vraiment. Ah, faut qu'on m'aide. Faut qu'on m'aide. Faut que tu m'aides. Faut que tu m'aides. Ah, ouais, c'est bon, je m'en sors. Je me suis sorti. Ah, faut que j'aide Natsu et en même temps. Allez, je vais essayer de lui faire un finish. C'est un finish. Le Hadoken. Non, le Shoryuken. Il est passé. Ichigo. Peut-être éliminer l'arbitre. One, two. Ah! Il a tapé, Naruto, il a tapé. Tiens. Ah, il m'a contré. Et je le contre derrière. Allez, Mancha. Oh, le petit saut sur la corde pour lui finir en petit drop kick. Petit coup de pied, mais ça m'a sonné. Hein. Je suis KO, vraiment. Regardez, en fait, quand votre barre rouge est descendue jusqu'en bas, c'est que vous n'avez plus de vie. Vous allez prendre un coup, vous allez sonner, vous allez. Allez, Natsuki essaye de tenter d'éliminer Naruto, et ça fait que deux. Faut que je revienne pour aider Natsu. Oh, Ichigo, fais pas ton malin. T'aurais pas dû. T'aurais pas dû. Je vais essayer de combiner ça avec un tombé. What? Two. Ah, il veut pas, il veut pas, il veut pas. Allez, on retente. Parce qu'il faut vraiment pas que je rigole et ça me permet de gagner un peu du temps pour Natsu. Voilà. Allez, Ichigo, Naruto, faut que je le calme un peu. Faut que Natsu reste debout pour au cas où m'aider s'il y a un tombé. C'est ça qu'il faut faire. Pour l'instant, on domine un petit peu. Oh, le super kick. Oh, il se prépare pour un finish, Natsu, il se prépare. One, two, three, ça y est. Naruto éliminé. On est du 2 contre 1, c'est ça qui est bon. Ça, c'est bon. Ichigo. Le petit. One, two, par derrière. Ah non, ça n'a pas marché. J'ai essayé, j'ai sauvé Natsu. Parce que là, clairement, on se prend un finish. C'est terminé en bas. Bonne nuit les petits. Allez, OMG. OMG, vous connaissez comme moi. Vous utilisez un finish et c'est une prise très dangereuse. OMG, attention. Superplex. Superplex en dehors du ring. Allez, vas-y, Natsu, je te le ramène. Je te remets sur le ring. Et tu le termines. Vas-y, vas-y, Natsu. Finis-le. Il m'entend, il m'écoute, c'est la fin. One,
Oui, 1, 2, 3, c'est bon, je suis décalé, je vous dis, je suis complètement paumé, on a gagné, c'était un beau match, vraiment, c'était vraiment sympa, moi j'ai vraiment surkiffé, donc en tout cas, même vous, si vous avez kiffé, malheureusement, comme je vous ai dit, c'est très dur à commenter ce genre de vidéo-là, parce qu'il y a beaucoup de personnages, c'est très compliqué, donc la semaine prochaine, ça sera les filles. Donc choisissez des personnages féminines et même pour d'autres semaines, les semaines prochaines, proposez-moi des autres personnages garçons ou filles, hein, comme vous voulez, des thèmes, Pokémon, ce que vous voulez, n'importe quoi, n'importe qui, je m'en fous, j'essaierai de trouver ça et de le mettre dans les prochaines vidéos. Donc surtout n'oubliez pas, the master is you and not the game. Allez, ciao ciao, bye bye, et mettez dans les commentaires les propositions et je vous répondrai. Et ça sera en tout cas, merci à tous ceux qui ont déjà participé pour la semaine dernière. Je rappelle les noms, Adjila, il y a eu Pikachu Net et il y a eu Barbe Corinne. Merci à eux pour avoir proposé ce contenu de manga. Je vous dis à la prochaine, surtout à la semaine prochaine, pour du catch. Quel personnage as-tu choisi niveau 4? Numéro 4 pour le féminine. Et il y aura un cinquième. Et ça, c'est à vous de me dire quel thème. À la prochaine, n'oubliez pas, the master is you and not the game. Fatality.